You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur O'Gaming StarCraft 2 pour la GSL. Est-ce que ça va, Eli? Ça va, très très chaud effectivement. On enchaîne sur la deuxième game, deuxième BO de ce groupe C. On était passé sur un PVP, on reste dans le match-up miroir avec cette fois-ci un Zerg contre Zerg. Et je crois que t'en es particulièrement friand. Ouais, moi j'aime bien, c'est mon miroir préféré je pense. C'est vachement stratégique. On avait vu dans les Nation War, il y a eu des Zerg contre Zerg assez intéressants. C'était Scarlet qui jouait contre... Je ne me rappelle plus. Eleizer, ouais, l'équipe, ça devait être la Pologne. Et Nertio. Et le Zerg contre Zerg était extrêmement pointu et stratégique. Donc vraiment un match-up que j'aime beaucoup. Ouais, un match-up qui semble cool. Ouais. Effectivement. Alors les stats rapidement, Curious, en ZVZ, assez faible en fait en soi. Hein, 41, ouais. Quasiment 42 sur les matchs sur les 7 à un peu en dessous de 46. Et c'est vrai que le match-up miroir, ça reste quand même un exercice qui est très particulier dans un format de jeu compétitif. Tu sais que tu as les mêmes armes que ton adversaire, du coup, en fait, j'ai envie de dire que l'ascendant psychologique, il peut très vite, très très, très vite snowball, en fait. Ouais, peut-être, effectivement. Quand tu te rends compte que ton adversaire est meilleur que toi dans le match-up miroir, t'as pas l'excuse de la race, en fait. Mmh. Ou de, je sais pas, si peut-être il y a un déséquilibre provisoire entre telle race, suivant le patch. Là, ça veut juste dire qu'il est meilleur que toi, effectivement. Ça peut pas être lié à la map non plus. Donc, mentalement, je pense que c'est pas facile. Et en plus, on voit Sou ici, qui est aussi entre 63 et 64% de win rate dans ce match-up miroir. Bon, sur le papier, bon, je pense qu'on a déjà un petit favori. Après, on va voir. Sur un BO3, il y a des choses encore qui sont possibles. Et Sou, qui se prépare? Qu'est-ce qu'il y a? Il est minerve autour du cou? Ah, j'avoue. Alors, je pensais que c'était un chandail, mais je sais jamais, en fait. C'est vrai que... C'est un pull. Ouais, ça a l'air, ouais. Effectivement. Ok. Donc, ça va jouer sur... Ok, Newkirk, Pretinct, Echo et Overgrowth. Est-ce que tu as des maps favorites, tu, dans ce match-up-là? Non, enfin, en tout cas, il y a des cartes où le trajet des Overlords est... comment dire? En gros, en général, tu veux que l'Overlord arrive sur la B2 en premier et tu t'inspires du timing où tu vois la B2, je vois pas de B2, donc je peux m'inquiéter. Et en fait, tu vas voir le nombre de HP sur la B2 et tu vas en déduire le timing à laquelle il a été posé et t'en déduis à peu près instantanément le build order de ton adversaire. Mais sur cette carte, Eili... Mmh. Et bien sur Newkirk Pressing, soit tu envoies l'Overlord au-dessus de la main, soit tu l'envoies sur la B2, mais la B2 est plus loin que la main en fait. Alors que sur la plupart des autres cartes, la B2 est plus près de la main, tu as l'info plus vite. Et donc ça change un peu la donne. Parce que le problème c'est que si tu envoies l'Overlord sur la main, et bien tu rates les 8 Zerglings qui sont en direction de ta base parce que ton adversaire a fait 12 pulls. Donc... Ce qui est tricky sur cette carte, en fait, c'est que tu ne verras pas les early Zerglings. Ou tu les verras pas avec ton premier Overlord, en tout cas. Et du coup, le mind game, c'est, sur ce genre de carte, c'est est-ce qu'on fait early pool ou pas? Et là, on voit que les deux joueurs sont partis sur drone pour l'instant, donc ça va jouer macro. Pendant qu'on voit Curious. Et bien sûr, son opposant, en bas à gauche, le bon petit Sou. Qui va bien, Sou qui est largement favori dans le match-up comme on le disait tout à l'heure. Toujours ces petites voix d'Arconte. Les présentateurs qui... c'est marrant, hein, ça fait 50 fois qu'ils font la blague, mais ça les fait toujours autant marrer. Alors, on va avoir... On a Sou qui a fait un BO assez safe. Qui a fait, bon, gas pool... mais gas pool à 15-16. Donc très tardif, un BO destiné justement, on en parlait, à punir les early pool. En gros, si tu fais gas pool à 15-16, tu défends très très bien le pool 12 de ton adversaire. Mais malheureusement, pour Sou, Curious n'a pas fait pool 12, il a fait hatch pool. Et hatch pool, eh bien c'est encore plus macro. Donc c'est le meilleur BO. Après, dans les fêtes... Entre pool hatch à 16 ou hatch pool à 16, la seule vraie perte, c'est le creep sur la B2. Donc c'est le joueur qui fait sa pool
en premier aura du creep sur la B2 beaucoup plus tard. Et donc en gros, s'il veut waller rapidement, il va galérer parce qu'il va devoir de toute façon poser une tumeur, mais il va devoir attendre que le creep avance, poser la tumeur. Donc il galère pour waller, et il galère s'il voulait waller en partie avec un benningness que tu vas poser ici ou là, et qui ne va pas pouvoir poser en wall, tu vois, provisoire, wall partiel sur sa B2. Là où son adversaire, tu vois, il a déjà du creep, donc il peut déjà envisager de poser un bending nest. Et là, on voit le bending nest, comme tu peux pas le poser sur la B2, et c'est exactement ce dont je parlais, tu l'envoies dans la main. Et quel est l'intérêt en fait d'avoir un bending nest aussitôt dans le matchup, puisque là, on est parti sur quelque chose d'assez... Eh bien, en général, ça veut dire que tu vas bourrer. Là, je vois des drones sous... Il lui faudrait encore un overlord pour bourrer. Ouais, bah c'est... Non, en fait, il va jouer macro. En général, si tu veux, si tu joues macro et que tu veux te défendre avec un bending nest, tu l'aurais mis ici. Parce que tu veux défendre et tu l'utilises comme un bâtiment défensif en fait. Okay. Tu le mets là, tu le mets, en fait, tu le mets ici et tu mets ta queen entre le bending nest et la hatch. Mm-hmm. Comme ça, tu minimises la surface de contact avec les erglings. Alors que par contre... Et bah c'est exactement ce qu'il fait ici. D'accord. Tu vois, donc tu l'aurais mis à peu près là. Et tu mets la queen ici pour la... Voilà. Bon, il va la remettre. Mais en gros... en gros, c'est ce que tu fais pour jouer macro. Bon, pour l'instant, les deux joueurs sont en train de jouer macro. On fait des drones des deux côtés. On ressort B3, ici, ouais. Ah, ici, on a quelques zerglings qui ont été faits derrière. On relance des drones du côté du zerg rouge. Sous. Qui vient mettre la pression. Le zerg speed de Curious qui vient de se finir. Attention, les deux petits bendlings là. On a bien speed les unités. On vient gratter les zerglings. Cette B3 qui, pour l'instant, fait les frais de cette agression. Les bendlings qui courent les uns à les autres. On a réussi à la faire sauter côté Sou qui fait une bonne opération ici. Ouais. Qui va bloquer complètement son adversaire dans sa base. Excellente opération. La hatch B3 qui a été cancel. C'est vraiment monstrueux de la part de Sou. Curious qui perd vraiment l'ascendant pour l'instant. Ouais, Curious, là, il va falloir trouver le petit move ingénieux pour arriver à comeback. Attention, ici encore la confrontation, toujours de bending. Du côté de Curious, on a pu reposer cette V3 qui est forcément décaille, ralentie par rapport à celle dessous qui devrait pas tarder à sortir. Boum. Allez, ici, les bending qui sont défendus. Pour l'instant, nouveau cancel de la hatch. Très très bonne opération de la part de Sou. Curious qui est vraiment dans la mélasse. Et Curious qui est en train de bourrer les Zerglings et les Banings. Curious qui n'a toujours pas lancé le tir 2. Curious qui va bourrer et qui va all-in. Tir 1. Zergling Baning. Ah, il n'a pas vraiment le choix là. Clairement. Pour en fait, coup. Est-ce que ça peut passer? Il y a un Roach Warren en face. En face, on a un Zerg mais qui ne joue pas greedy, qui n'a toujours pas lancé le tir 2. En fait, il faut que Sou s'en rende compte. Qu'il est en train de se faire bourrer et qu'il lance des roaches. Il lance le tir 2, il s'en est pas rendu compte. Ça peut passer, hein. Ça, là, cette hatch, c'est limite un fake. Là, on voit qu'il y a. Tu sais, Curious, il a suffisamment de zergling pour attaquer, mais tu vois qu'il n'attaque pas. Là, il aurait pu traverser la map, hein. Ouais, il pourrait. Il n'attaque pas parce qu'en fait, il veut montrer la hatch à Sou pour lui faire croire qu'il est en train de jouer macro. Et c'est parti, Curious qui passe à l'attaque. Est-ce qu'il a assez? Alors, est-ce qu'on qu'il a assez en préparation là? Ouais. En fait, pour l'instant, il a assez. Il y a pas assez d'unités, tu vois. Il y a deux zerglings en plus. Il peut faire mal. Il peut faire très mal. Les cafards, peut-être. Voilà, la queen qui est bien calée entre extracteur et line de minerai. Non, il va pas pouvoir aller plus loin que ça. Et honnêtement, Curious se fait complètement outmatch par Sou. Je veux dire, là, il relance les drones. Curious, il sait plus quoi faire. Il sait plus trop quoi faire. Il lance un Roach Warren. Il est à 10 récolteurs de retard sur Sou. Il a même pas de possibilité d'agresser. Là, tu vois que le joueur bleu n'a juste pas assez d'unités. Franchement, tu t'en avais parlé au début, mais Curious se fait massacrer par Sou. Ouais, ça joue sur une petite pression. Ça joue sur un petit timing décalé en fait au niveau de la pose de B2. Et là, bon, derrière, on va tout tenter. Hein, je pense du côté de Curious, on a clairement pas envie de FF maintenant, mais. Bah ça semble compliqué puisque au niveau de la pop armée, bah y a pas photo, elle est bien plus qualitative côté Sou. En fait, là, ce qui, enfin, là, ça a même pas vraiment de sens, tu vois. Genre, il a pas lancé le tir 2 parce que là en face, il y a le tir 2, il va y avoir road speed plus un d'attaque. Enfin, je veux dire, l'armée de Sou va être monstrueuse. Je veux dire, le seul truc que tu peux faire là, t'es curious, c'est tu masses les roaches, tu fais une moment en fait, c'est tu t'es derrière, ok, tu fais des roaches pendant 5 minutes. Et tu les caches,
Et après, tu fais une grosse attaque sans le speed, sans rien, mais et t'espères, tu pries pour qu'il ait joué un peu greedy. Et donc ça, c'est une moment. C'est une moment, d'accord. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, on a Curious qui se remet à droner, mais extrêmement tard. En fait, franchement, il se remet même pas à droner. Il fait des roaches, il fait des drones, il fait des roaches, il fait des drones. Donc en fait, l'écart se maintient. Et à la tech, il est complètement à la ramasse. Pas de tir 2, des ravageurs. Donc il va bien bourrer. Il a juste rajouté quelques drones. Ok, et il va bourrer en contre-attaque. Maintenant, est-ce que ça marche une contre-attaque quand ton adversaire a roach speed? Eh bien, pas du tout. Parce qu'il va... En fait, là, Sou va pouvoir fuir tranquillement. Dès que Sou se sera rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'unités. Parce que là, Sou, il est devant économiquement, il est devant la tech. Il voit qu'il n'y a pas de drone dans cette base. Là où lui, il récolte de façon massive. Donc là, il suffit de rentrer chez soi. Tu vois, il est beaucoup plus rapide. Et Curious traverse la map lentement. Il y a même un drone qui s'est perdu, tu vois. Il y a genre, beaucoup, hein, vraiment. Sur des bonnes connexions de build corrosive. Là, il pourrait peut-être arriver à tenter quelque chose, Curious. Ouais, et là... Eh bien, le miracle, il va falloir que ce soit maintenant. On voit qu'on dégraisse les Zerglings. Excellente opération de la part de Sou qui dégraisse les Zerglings et qui recule et qui va prendre cette fight. Ouais, il la prend, mais un petit peu avant son timing d'amélioration. Là, ouais. Les builds. Mais ouais, ça passe, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression pour l'instant qu'elle est excellente. Un massacre. L'armée de Curious qui ne peut pas fuir puisqu'elle n'a pas le speed et qui va succomber dans cette première game. GG! Facile. Ouais. Facile pour Sou, là, on l'a vraiment senti, genre comme à l'entraînement, j'ai envie de dire. Il s'est levé, c'est le petit rituel du matin. Je me lève, je sors ma B2, hop, je mets mes chaussons, ouais. J'arrive. Je te cancel ta B3, sur la B3. Deux voilà. Fois de suite. Ça s'est pas mal joué à ça aussi. Ah, c'était bien joué, honnêtement. Sou, bon, voilà, serein. Serein, alors pour Curious, par contre, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation? Ouais. Est-ce que tu tentes le tir du turfu? Ou est-ce que tu attends bien sagement la tête sur le bio, la décapitation? On va voir. C'est vrai que les cartes ont un gros impact sur les stratégies. Tu vois, si tu peux... je pense que le fait que tu puisses pas scouter rapidement les Zerglings a un gros impact, que tu passes directement par la B1. Donc là, on va jouer sur Echo. Et là, tu vois, c'est une carte standard où en premier, t'envoies ton Overlord sur la B2. Donc tu vois le timing B2. Mmh. Et au passage, cette Overlord croise les Zerglings si t'as Early Pool. Du coup, sur cette carte... En général, on voit pas d'early pool. Ok. Et comme on voit pas d'early pool, eh bien, en général, on voit hatch first des deux côtés. T'as pas besoin de faire pool hatch pour défendre une early pool. Donc, je pense qu'on va commencer macro et après on verra. On verra. Ok, bah écoute, à voir si sur un style de jeu peut-être un petit peu plus étalé sur le temps, l'ami Curious arrive à tirer son épingle du jeu. En tout cas, pour l'instant, il est mené 1-0. Ouais. On le voit ici à l'écran, Curious, face à Sou. C'est un BO3, on vous le rappelle. Et c'est parti, messieurs, dames, en haut à gauche, il est mené 1-0. Le Zerg bleu, Curious. Et bien sûr, en cross map, Zerg rouge. Le bon Sou, bien entendu. Concentré ici à l'écran. Alors, du coup, est-ce qu'on va respecter la prédiction tudienne, j'ai envie de dire? Je vois, honnêtement, je vois pas trop de raison de faire pool hatch. Moi, là, je vois tout l'intérêt, c'est de faire hatch first sur cette carte. Ah, on va sortir un extracteur first. Donc là, c'est. Ok, alors. Extracteur first. Curious va faire hatch first. Ah non, pardon, mais pool autrement. First, effectivement. Donc, bon, pourquoi faire pool first sur cette carte? Parce que là, tu vois, si t'as early pool, bon, tu. Ouais, j'imagine qu'il. Il peut contourner ton Overlord éventuellement. En fait, les Zerglings ils sortent. J'imagine que tu peux anticiper où est l'Overlord adverse. Parce que tu le vois avec ton Overlord. Tu vois, les deux Overlords se voient. Et coup, tu perds un peu de temps, mais tu passes par exemple par ici. Pour contourner l'Overlord. Et il va falloir claquer la Splinter Cell hein, pour Sou. Arriver à slalomer entre les jalons de vision de l'adversaire. Là, ce qui était sorti pour le coup juste après. Et un gaz très très tard. Ça, c'est vraiment, il faut le noter, ce gaz très très tard. Il aurait pu le prendre beaucoup plus tôt. Donc en gros, là tu vois Sou... en général, honnêtement, pull hatch et hatch pull, ce qu'il faut retenir, c'est que
au niveau de la prise de gaz, c'est à 3 secondes près, c'est quasiment la même chose. Ok. Alors que là, tu vois, on a un joueur qui a déjà 50 de gaz et l'autre qui a 0. Le gaz vient de se finir. Alors quel est l'intérêt de prendre le gaz aussi tard? Bah, en accumuler fait, du minerai, faire plus de zergling. Ouais, c'est d'accumuler du minerai. Donc, et de jouer très défensif, faire plus de drones, peut-être une queen de plus. C'est vraiment ça, c'est d'accumuler du minerai. Donc, Sou n'a pas prévu de jouer agressif. En fait, c'est, je dirais que c'est très risqué. Ça montre que tu maîtrises vraiment parfaitement le match-up. Parce qu'en fait, 20 secondes sur Zergling Speed, c'est énorme, quoi. Et c'est aussi 20 secondes sur ton premier banning. Genre, là, si Curious continue à miner du gaz et fait un énorme banning bust, franchement, ça va être chaud pour Sou, hein. Parce que Sou, il va y avoir bien 20 secondes où il aura Zergling Speed en speed ou alors des bannings en retard. Enfin là. Alors là, tu vois, comme Curious est parti Hatch First, ouais. Cette fois, il peut poser le Banning Nest en wall partiel. Il pourrait bourrer et ce serait pas mauvais. Sur cette carte, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que je crois pas que tu puisses waller sans tumeur. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble. Est-ce que tu vois, genre là, tu peux poser une Evo. Ah! Je suis pas sûr. Si, tu peux poser une Evo. Ok. Du coup, j'ai rien dit. Tu peux voler sans tumeur. Il n'y a pas de tumeur là. Donc, taille des cafards, chambre d'évolution. Deux par la Missou. Ok. En fait, c'est pour ça que Sou a spécifiquement pris son gaz plus tard. C'est parce qu'il voulait wall. Il voulait pas. Il a skip Zerling Speed. Voilà, c'est ça. Et il voulait waller. Alors, c'est greedy, hein. Il était vulnérable à certaines agressions, mais là ça va passer. Sou qui va s'en sortir, qui n'a pas Zergling Speed, qui va jouer sans Zergling Speed, Roach direct, Roach plus un d'attaque très 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 rapide. C'est mon build ça. En fait, là Sou est en train de faire un timing Roach plus 1, extrêmement rapide. Et est-ce qu'il va chier sur Curious? Je pense que oui. Je pense que il va complètement chier sur Curious. Curious qui est parti sur B3 rapide. Alors, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire dans cette Evo? Il y a plusieurs choix. Il peut faire le. Bon, en fait, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire le plus 1 d'armure. Voilà. Ça contrebalance le plus 1 d'attaque des Roach. Mais tu vois qu'il va y avoir bien 20 secondes où il y aura le plus 1 des Roach et il n'y aura pas le plus 1 d'armure. Et donc, où les Arlene se feront two-shot et massacrer. Et là, pas de bol pour Curious. Tout est timé sur le plus 1 d'attaque des Roach et sur Roach Speed. En général, quand tu fais ça, tu bourres exactement quand ces deux upgrades se finissent parce qu'à cet instant précis. T'es complètement godlike. Et franchement, s'il fait ça, je pense que Curious crève très rapidement. Après, ça a été vu. Et il bourre les Roach. Non, je pense que là, il faut. Alors, tu vois, par contre, si tu veux attaquer sur ces deux upgrades. Faut te mettre en route un peu avant, je dirais, dans 20 secondes, faut partir. Dans 10 secondes, là. Ouais, là, pour l'instant, il a plutôt de rester sur la défensive, la Missou, ouais. On va protéger la B3. Donc, ces upgrades qui vont se terminer. Là, il faudrait y aller là, maintenant, décalé. Mais tout de suite, là. Ok. Ok, il y va pas. Donc, il a pas prévu de profiter de ce timing. Il veut juste prendre B3 et prolonger la partie. Parce que là, c'est maintenant qu'il est vulnérable. Là, tu vois, s'il avait attaqué. Eh bien, Curious, il a quoi? 8 Zerglings qui vont se faire 2 shots et 2 banning. Ouais, et est-ce qu'il sort de ses œufs, mais c'est 15 Zerglings. Alors, enfin, ça traverse la carte, hein, du côté de Sou. Alors, il attendait, en fait, il a juste attendu hein, le plus 1 d'attaque. Ouais, ok. Il va pouvoir. Il a juste délayé un petit peu. Il y a encore des dégâts à faire. Là, tu vois, il n'y a pas l'armure. L'armure, c'est dans 20 secondes. Donc là, les Zerglings se font massacrer. Là, je pense qu'il faut y aller. Hein. Vraiment. Oh. Ah, il a pris l'info. Je pense que les ravageurs donc, lui ont fait peur. Donc là, mon interprétation. C'est qu'il a vu énormément de Zergling, il a peur de se faire surround. Il s'attend à se faire all-in de la part de Curious. Parce qu'en fait, tu fais pas autant de Zergling. Ah, c'est intéressant. Ah là, c'est intéressant. En général, tu fais jamais autant de Zergling à ce moment de la partie parce que tu sais qu'ils vont se faire two-shot et massacrer les Zergling plus la partie avance. Il y aura peut-être des Banning en face. Ou... Mais là, pourquoi est-ce que Curious investit sur les Zergling? Parce qu'il a le plus 1 d'armure. Et que fait Sou? Bah déjà, il a dû cliquer sur un Zergling et voir qu'il y avait le plus 1 d'armure. Et ensuite, il lance le plus 2 d'attaque et il lit pour contrebalancer le plus 1 d'armure. Le plus 1, incroyable. Incroyable. Et il prend sa position défensive. Donc c'est excellent. C'est excellent. Là, très très bonne position dessous. Je pense pas que tu peux attaquer là-dedans. Je pense que Curious va s'empaler complètement. Oh là là, c'est compliqué le double front. Les Zergling, on va se raviser. Ça va, on est resté sur du POC.
J'ai pas l'impression qu'on ait sacrifié grand chose du côté de Sou. Par contre, du côté de Curious, est-ce qu'on peut voir les pertes? Tu veux ça? Ok, 26 Zergling quand même de lâcher contre un seul cafard. Les deux bending d'ailleurs au passage, une fois plus, bah tu l'as dit, hein. Sou qui avait une très bonne position. Par contre, là qui va laisser quelques cafards isolés. Est-ce que ça pourrait pas être un problème? Ouais, il va en perdre quelques-uns. Il va perdre effectivement quelques cafards. Mais en fait, dans les fights Zergling contre Roach, franchement, c'est vraiment désespéré ce genre de strat, hein, parce que tes Roach attaquent avec 4 de portée. Donc en gros, plus ton nombre de Roach augmente, ils pourront toujours attaquer sur, on va dire, sur 4 rangs, tu vois, je caricature un peu, mais. Alors que les Zergling, ils attaquent toujours sur un rang. Donc en fait, le Roach scale beaucoup plus en nombre que le Zergling. Donc oui, tu peux tout miser sur un surround et sur ton plus 1 d'armure, mais je veux dire, c'est quand même très défavorable, quoi. Et il faut vraiment avoir un bon engagement. Et là, ta strat a été éventée, et pourtant, pour autant, Curious continue. Pff, là, le plus 2 d'attaque. Le plus 2 d'attaque, c'est le two-shot sur les Zergling. Encore. Une fois de plus, là, attention, on va chercher à casser le wall. Bon, là, je crois que la game est finie dans... À moins que les Ravageurs soient vraiment décisifs. Bah, je ne vois pas cette agression. C'est peut-être l'intérêt, hein. C'est arriver à trouver une bonne position et sur un bon snipe, il y a quand même beaucoup de ravageurs là. On est sur une bonne petite quinzaine, je dirais, à vue de nez. Oh là là, mais Curious, il se un fait un peu moins chier déjà, une dizaine. Vraiment, il y a une très très grosse différence de niveau entre les deux joueurs. Là, il y en a un qui est désespéré et je pense qu'il va complètement s'empaler. Ouais, Curious là, qui passe à l'attaque. La conquête n'est pas mauvaise, les billes là qui tombent plutôt bien, ça connecte. Ah, regarde, et là, t'as vu les Zergling fondre? Là, il reste quasiment plus de Zergling. Et après, ce sont les Roach adverses et les Ravageurs qui vont croquer sous la dent de Sou. Ouais, Sou, on avance. Attention, là, la choke, la bonne position. Le backup de Zergling qui arrive pour Curious. On tente de faire face. Les billes corrosives qui tombent et qui font encore beaucoup de dégâts. Le pack Ravageur, pack Roach, pardon, qui fait un énorme travail, mais qui reste quand même low en point de vie. C'est vrai. On va aller au bout quand même. C'est vrai. Et tu vois, il continue à toucher les Zerglings. En face, on fait des Zerglings. Donc en fait, Curious n'a pas cliqué sur les Roach pour voir qu'il y avait plus d'attaques. S'il l'avait fait, il n'aurait pas refait des Zerglings. Et GG, Sou qui s'impose de façon exemplaire contre Curious. 2 à 0. Curious qui était pas vraiment là, hein, en termes de niveau. Ouais, on a senti vraiment la connaissance empirique de Sou là, sur le match-up qui est... Voilà, on voit un petit signe de la tête de non. Ouais. Qui était vraiment très très bien. Effectivement, c'est assez futé là, le timing Roach plus un attaque avec le speed Roach qui était très bien senti. Il y va en deux temps. Alors, il aurait pu dans l'exécution faire un peu mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Ils sont en fait bien synchronisés les deux upgrades. En fait, je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il est back en fait. Parce que il a fait son timing plus un et il aurait pu attaquer à 5 secondes plus tôt. Je suis d'accord avec toi. Et il y avait des dégâts à faire parce qu'à ce moment-là, tu touches les Zergling. Franchement, tu prends la fight. Hein, c'est sur le two-shot. Mais il a vu beaucoup de Zergling et je sais pas comment. Il a su qu'en face, c'était parti plus un d'armure, tu vois. Alors là vraiment, il faut regarder le replay pour comprendre, regarder sa caméra. Et du coup, il a back et il a lancé le plus 2 d'attaque. Et il a su que s'il jouait défensif et qu'il attendait le plus d'attaque, là, il allait écraser Curious. Et Curious, à ce moment-là, il aurait dû avoir le réalisme de relancer les drones, chose qu'il n'a pas fait, ou je sais pas, amorcer une transition. Et du coup, Sou qui montre qu'il maîtrise vraiment ce match-up et qui s'impose. Ouais, effectivement. Il s'impose assez facilement, donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, c'est un 2-0 tout net, sans bavure. Dans ma tête, il reste encore une chance, mais non, pas du tout. Curious qui s'est fait empaler. Du coup, ça met un terme à ce BO3. On va faire une petite pause vite fait avant d'enchaîner sur le prochain match d'ici quelques minutes. A tout de suite.